Madame, Monsieur, merci de nous suivre pour vous informer. Dans l'actualité de cet après-midi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, assiste à Brazzaville cet après-midi à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso après sa réélection à la présidence de la République du Congo. À cette cérémonie, 24 autres chefs d'État africains ont aussi fait les déplacements de Brazzaville pour répondre à l'invitation de leurs homologues du Congo Brazza. Ensemble, poursuivons la marche. Voilà le nouveau projet des sociétés du président Denis Sassou Nguesso. Face à l'insécurité à l'est de l'RDC, des voix ne cessent de s'élever pour appeler à la paix et à la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces à conflits armés, de la Loucha en passant par des autres organisations de la société civile du pays et le CENSA. Tous ou presque n'ont qu'un seul souhait, celui de mettre définitivement fin aux atrocités dont sont victimes les millions de Congolais. Des réactions à suivre dans ce journal. Les membres de la Cour constitutionnelle s'apprêtent à élire les nouveaux présidents de cette haute instance judiciaire en date du 20 avril prochain. Dans une correspondance, le président ad intérim de cette juridiction a informé au chef de l'État la date de l'organisation de cette élection, sauf avis contraire de sa part. C'est conformément à la recommandation de la réunion tenue par les membres de la Cour constitutionnelle en date du 13 avril dernier.